Minasan konnichiwa. Watashi wa Itachi desu. Wareware wa Okami HD no dai 15 no episode no tami ni ao. Et nous voici introduits pour ce 15e épisode de Okami HD. Alors, je fais un petit résumé de l'épisode précédent. Que s'est-il passé? Oula, encore le jour, la nuit, le jour, la nuit, ça y va tout. Donc, dans l'épisode précédent, on a enfin dégagé, on va dire, le village de cette malédiction qui pesait sur le village. On a rencontré Fuse, la prêtresse du sanctuaire qui est qui est là-bas. C'est l'espèce de moulin qu'on voit tout en haut. Et elle nous a demandé de retrouver des combattants canins, des guerriers canins. Il faut en trouver 5 notamment dans ce village. Pour l'aider en fait à combattre les monstres, on va dire, qui ont investi la place dans le sanctuaire depuis déjà je crois un an si j'ai bien compris. Et donc on a déjà retrouvé 2 clébards. Et là apparemment il y en a un qui est pas très loin, vous voyez. Il y a l'emblème de la famille qui est en train de s'agiter là à côté. On va aller voir dans les environs si on en trouve un. Alors je sais pas si on peut faire un soleil. Ouais bon ça restitue pas non plus vraiment le jour. C'est parti. Alors par contre, le délire c'est qu'il y avait aussi peut-être quelques trucs à faire après avoir restitué le... Oh, bordel, comment on peut tout bouffer? Après avoir restitué, on va dire, le... Enfin, pas la lumière, mais... Après avoir dégagé le village du... De la malédiction. Donc on va regarder vite fait, notamment parler aux femmes qui sont près du puits. Je crois qu'elles nous avaient dit qu'elles... Elle voulait me dire quelque chose. Bon, visiblement, si on peut le passer, c'est que c'est la même chose qu'elles nous ont déjà raconté. Bon, visiblement, je me suis trompé. Bon, pas trop grave. Alors, cette fontaine qui utilise le pouvoir du vent pour ramener l'eau, etc. Ok. Ah, d'accord. Bon, visiblement, il y a un clébard que je vais devoir ramener en ramenant la lumière, si on peut dire, ici. Voilà. Effectivement, il était caché ici. Tiens, encore des sphères. D'ailleurs, je vais devoir les utiliser là pour... ouais, c'est ça. Voilà. Les utiliser pour ça. Et voilà, encore un soleil d'énergie. Go! On va pouvoir parler à ce clébard. On va devoir lui donner de la bouffe probablement aussi. On peut directement le passer, donc ça veut dire qu'à mon avis il nous raconte encore la même chose que d'habitude. On va pouvoir lui donner la bouffe directement. Une espèce de bulldog. Alors je suis super nul en chien. Je dis tout de suite. Voilà. Alors cette viande était délicieuse. Guerrier canin Shin. Alors me voilà rassasié, blablabla. Donc il retourne voir sa maîtresse. Sans attendre. Cours, petit toutou. Ouais, il faut le voir pour le croire. Allez. Donc là, encore, il va falloir chercher un chien. J'essaie de me concentrer en fait sur le. Sur ce qu'indique le. L'emblème. On va pas descendre. Peut-être par là. Non. Bon, j'essaie d'aller plutôt de ce côté. Mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'il s'excite un peu quand je suis ici. Vous voyez, il va quand même vite. Ah, c'est peut-être en dessous, là, il y a... Voilà, vous voyez, c'est le papy, là. Pas si on peut sauter. Je peux pas sauter là? Ah, c'est dommage. Bon, il va falloir que je fasse le tour, c'est pas grave. C'était le papy bambou ou quelque chose comme ça. En gros, celui qui fait des bambous. Nourrir quoi? Ah d'accord, il y a des piafs. Je les voyais pas tellement, j'allais vite, ils ont même pas eu le temps d'apparaître. Voilà. Alors d'ailleurs, je voulais montrer aussi... On a, donc c'est dans les options, voilà, on a un truc en fait, un tableau qui nous montre
Alors je crois que c'est le nombre d'animaux qu'on a dû nourrir dans tout le jeu. Alors il y a deux pages, enfin une page même pas et demie on va dire. Et voilà, apparemment j'ai nourri 57% des moineaux, 85% des poulets, etc. etc. Donc bon, finalement je suis plutôt content parce que la moyenne est relativement élevée. Ça a l'air d'aller en fait assez vite. J'ai fait aussi de la pêche aussi, j'avais pas dit hein, ça. Mais avant l'épisode précédent, j'avais fait pas mal de pêche. J'ai chopé des poissons un peu plus grands. Celui-là aussi, un gros porc, là, une omble. Mais voilà, bon, il y en a certainement des plus gros encore, vous voyez. La page est vraiment énorme, il y a peut-être d'autres endroits où on peut pêcher aussi. Donc ça reste à voir. Allez, go! Je crois qu'il doit y en avoir un dans les environs. Peut-être là-dedans. Effectivement. Waouh, il est gigantesque ce bambou. Ah, il y a quelque chose qui brille dedans. Il doit y avoir quelque chose à l'intérieur. Alors on peut peut-être le couper en deux. Regardez le clébard. Ah, il est en train de pioncer. Trop fort le clébard. Allez, on va appuyer sur start directement. De toute façon, il nous raconte toujours la même chose. Et hop, on lui file de la bouffe. Et ensuite, il va nous dire son petit nom. Ah, c'était délicieux, merci l'ami. Guerrier canin, chi. Me voilà rassasié, il est temps que je retourne chez ma maîtresse. Ouais, puis il faut le voir pour le croire, c'est ce qu'il nous dit à chaque fois. Bon, combien ça nous en fait des machins canins? On devrait peut-être retourner voir la petite fusée. C'est déjà la fin là? Il me semblait qu'il m'en manquait un. Bon, on va aller la voir de toute façon. Parce que Isun, il nous dit de retourner la voir. Oh, le grand Susanoo qui est encore en train de perfectionner ses techniques. Bien sûr. Hop. Voilà, c'est... Waouh, c'est par ici. C'est presque psychédélique, là, tous ces effets à l'écran. Ah, peut-être le dernier clébard, il est avec elle, peut-être. Oh, il a pas l'air comment, celui-là. Avec un œil défoncé, là, il y a des cicatrices partout. Dis, Ama, ce méchant toutou te regarde d'un sale œil. Ouais, d'un seul œil, surtout. J'ai remarqué qu'il regardait l'emblème Satomi. Qu'est-ce qu'il dit? Ma maîtresse Fusée m'a appelé. Avant cela, je voudrais mettre à l'épreuve une de mes techniques. D'accord. La maîtresse Fusée m'a interdit d'abuser de ma force. Mais tu dois me prouver que tu mérites de porter l'emblème Satomi. Alors tu veux qu'on se bagarre comme des chiens errants? Bon, tu leur as voulu sac à puce. Ouais. C'est la seule bonne réponse. Je sais pas qui c'est ce cabot, mais il va se souvenir de nous. Ok, d'accord. Ah, tiens, c'est marrant, une petite scène là dans l'air de combat. Allez, vite, vite! Ouais! Ça clébarre pourri, hein! Vas-y! Tiens, je vais essayer de lui foutre des. Ouais, coup de lame! Je peux pas tester, non! Waouh! Ah, je lui ai fait une esquive là, je sais pas si vous avez capté. Waouh! Esquive! Ah, je lui ai dit que tu pouvais pas tester. Voilà, il est flingué là! J'étais tellement à fond dans le truc que j'ai envoyé plein de coups dans le vide là. Ah bordel, j'ai même pas eu des sakura. Je suis un peu deg. Il me semblait avoir m'être plutôt bien battu, mais bon. Bon, faut dire, je me suis pris un coup au début, c'est ça qui m'a un peu fait perdre de temps. Tu es un adversaire à ma mesure, trouvons un espace plus grand. Quoi? Si tu veux, Kabo, ça va être ta fête. Tu vas regretter de ne pas être retourné directement vers ta maîtresse Fusée. On va en finir avec toi. Hein? Attends, attends, si Fusée t'a appelé, c'est que tu serais quand même pas un guerrier canin Satomi. Non, sans deck. Tei. Il s'appelle Tei. Fini de jouer. Voici le vrai pouvoir de l'orbe Satomi. L'orbe Satomi?
Peu importe, tu vas te prendre une rouste. Tei, c'est toi? J'avais bien cru entendre quelque chose. Alors, vous n'êtes pas en train de vous battre? Hein? Nous battre? Non! On se chamaille, c'est tout. Hein, Kabo? Les meilleurs copains du monde, on te dit. N'importe quoi. Alors, nous avons récupéré 5 orbes Satomi. Ça n'a pas été sans mal. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré lorsque je vous ai appelé? Diffusé, c'est quoi les orbes Satomi? Chaque guerrier canin Satomi porte l'orbe d'une vertu différente. Ces orbes sont le plus grand trésor de la maison Satomi. Les orbes vont nous aider à briser la barrière de casque ardent. D'accord. Les guerriers canins ne répondent jamais quand je les appelle. Et il en manque encore 3. Je crains que quelque chose ne leur soit arrivé. N'y a-t-il donc personne pour m'aider? Bah si, un peu à moi. Hein? Pourquoi tu me regardes avec ces grands yeux? D'accord, j'ai compris. Je vais aller chercher les autres et les ramener sains et saufs. Merveilleux, je vous remercie du fond du cœur. Je sais à peu près où sont les 3 canins restants. Je vais te les indiquer sur ta carte. Alors c'est où ça? Nippon Est. Où est-ce que je suis moi? D'accord, en gros il va falloir sortir. Bon, je sais pas trop où c'est. C'est pas grave. On va aller jeter un œil. Alors montrez-leur l'emblème, blablabla. Ils répondront à mon appel et reviendront ici. À condition qu'ils n'aient pas été blessés ou pire encore. Fais vite, nous devons récupérer les orbes et briser la barrière. D'accord. Bon, j'ai une petite idée d'ailleurs d'un des endroits. J'étais en train de penser, vous vous souvenez, à l'endroit où il y avait la mamie coupe-gorge, je crois. Il y avait une des femmes du puits qui était en train de raconter que la mamie coupe-gorge avait acheté une cage en bambou, quelque chose comme ça. Une cage à oiseaux en bambou. Donc c'est peut-être là-bas. On va aller faire un tour. Bon, de toute façon, là, je crois pas que ce soit ici. Voilà, c'est pas ici. Il faut aller par là. Ça, c'est une certitude. On pourra retourner donc dans la campagne de Takamiya. Hop. Ah, d'accord. Bon, en fait, non. J'avais une mauvaise intuition. Ça a pas l'air d'être là-bas. Il va falloir que je passe sous l'espèce de d'arche. On va passer là-bas. On va voir ce que ça dit. Hein. Hop. Essayer de prendre un raccourci. Wow. Hop. Allez, go. Ah non! Waouh! Encore eux qu'on peut sauter. J'avais fait un sacré fail là. Allez, go. C'est par là, visiblement. Non? What? Attendez. C'est bizarre tout ça. C'est en passant sous l'arche que ça fait ça, peut-être? Ah, effectivement, c'est marrant. Alors, voyageur, pouf, pousser ce mur est vraiment épuisant. Ah, toi aussi, tu le sens, hein? Tu sens cet endroit secret où les bonnes âmes sont les bienvenues? C'est l'odeur de l'auberge de Sasabe. Tous ceux qui se sont retrouvés ici se sont perdus. Mais cette porte sacrée l'indique, c'est bien l'auberge. Et entre toi et moi, l'auberge de Sasabe est là où tous les moineaux vivent. Ok, en passant, j'ai vu une petite fille moineau sortir de là. Je suis sûr que l'auberge est quelque part par là. Ah, il y a encore des choses à nous dire. J'ai vu une petite moineau sortir de là. Je suis sûr que l'auberge Sasabe est derrière ces rochers. Je me demande où cette petite fille est allée. J'espère qu'elle ne s'est pas approchée de ce couple de vieux. Ah, donc c'est ça peut-être. La fille moineau, peut-être qu'elle est chez les vieux coupe-gorge là. On s'en fiche. Il faut que je trouve l'entrée de cette auberge. Bon, ok, donc on va repasser à travers. Voilà. Nous, on voit le passage. Donc peut-être que là-bas, on va nous donner une quête qui nous demandera d'aller chercher justement cette fille moineau qui est peut-être retenue par mamie coupe-gorge. L'auberge donc de Sasabe. Alors ça a pas l'air d'être un grand... Une grande zone, hein. Village bambou, blablabla.
Alors dis donc, Kama, c'est pas l'endroit dont le grand-père bambou parlait. Il disait, je peux pas trouver de bambou pour travailler. Effectivement. Donc on va peut-être pouvoir aussi se démerder pour aider le papy bambou. Protégé. C'est le nom de... Oh là là. Hé, Carpette, tu t'es perdu? T'as rien à faire à l'auberge de Sasabi. Sasabé, pardon. Ne prends pas cet air innocent. T'as du culot d'être venu jusqu'ici. Tu sais que t'es sur le territoire du clan des moineaux? Alors tu vas pas t'en tirer comme ça. On va te dépecer et t'empailler, Fissa. Patron, montrez-lui ce qui arrive quand on trépasse. Comme d'habitude, les chefs, c'est toujours des gros porcs. Alors, cabot de foire, tu sais au moins qui c'est? C'est le grand chef du clan des moineaux. C'est notre parrain à tous, Papa Jamba. Ah, Papa Jamba. Allez, patron, on vous laisse vous occuper de lui. Il est en train de pioncer? Tu l'as vraiment mis en colère. Oh là là, qu'est-ce qu'il a l'air en colère, le Papa Jamba. Bon. C'est quoi toutes ces salades? Écoutez bien, Kabo. La fille de Papa Jamba a été kidnappée et il est furax. On a vraiment essayé de la retrouver, on a cherché partout. Donc personne ne passera ses portes avant qu'on ne la retrouve. T'as compris? Alors file, du vent, oust, pst. Bon ben voilà donc notre quête. Hein? Il nous laisse rentrer maintenant. Et la fille de Papa Jambon, alors... Elle est revenue? Non, je pense pas que ce soit revenu. Donc effectivement, on va pas... Bah la porte de l'auberge de Sasabe est fermée. Pas moyen de passer avant que le clan des moineaux change d'avis. Ils ont pas dit que la fille de patron avait été enlevée. Effectivement, on va aller jeter un œil. On peut péter ces trucs-là. Enfin, pas les péter, mais les faire retourner. Bon, peu importe, ça c'est un point de sauvegarde. Il y a peut-être quelque chose là. Ah, on peut grimper. Oh, d'accord. Non, 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 ici. Hop. Que le bonheur se répande. Alors, j'essaie d'observer un petit peu s'il y a des choses à faire. Visiblement, rien. Allez, donc on retourne en arrière. En tout cas, c'est bien là-bas, vous voyez, qu'on doit aller chercher le cabot. Sauf que, à mon avis, on va devoir, bien évidemment, passer les portes. Et donc il faut s'occuper de la fille en premier. On va aller donc dans la maison, à la maison de Mamie Coupe-Gorge. C'est probablement elle qui retient. Aïe, aïe, aïe. Alors par contre, où est-ce que la cage peut être? Enfin, on va voir après à l'intérieur si elle y est. Ah d'accord, il y a Pépé Coupe-Gorge maintenant. Yeah! Tu m'as l'air bien appétissant, Cabo. D'abord ce moineau et ensuite un chien. Quel festin ça va être. L'affreux Pépé Coupe-Gorge. Petit, petit, petit. C'est l'heure de manger. Viens voir Pépé. Yeah! Casse-toi. Yeah, tu vas pas t'en sortir comme ça, sale Cabo. Oh, oh! Bordel, il est rapide. Il est très rapide. Voilà, on va rentrer à l'intérieur. Peut-être qu'il y a le... Est-ce qu'il peut être... Bon, on va parler à Mémé Coupe-Gorge. Arrête de fouiller partout. Va-t'en, sale cabot. T'as du culot de rentrer chez les gens comme ça. T'es bien trop bien pour faire un repas convenable. Par contre, Pépé a attrapé une jolie bête alléchante. Elle est encore trop énervée, mais on l'entamera bientôt. Je suis trop impatiente. Ah, oh, pardon. T'es cuit. Ah, non, non. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est bon, je peux continuer à parler. Alors, je me demande si la lune se montrera ce soir. La lune, on la déteste. Quand ses rayons nous touchent, il révèle notre véritable forme. Alors, c'est vraiment difficile de mener une vie normale. Et en plus, tout ça nous creuse encore plus l'appétit. D'accord, donc visiblement il va falloir revenir
une fois que la lune sera là. Donc vous vous souvenez, dans les épisodes précédents, dans le 13e je crois, j'avais explosé en fait le plafond. Donc en fait il y a les rayons qui passent ici, mais bon voilà, il va falloir que je revienne lorsqu'il va faire nuit. Donc je sais pas ce que je vais faire en attendant, c'est un peu space. Ah, on est le soir, bon, on va pas tarder à faire nuit je pense. Je vais essayer d'aller faire un petit tour, histoire d'explorer encore un petit peu. Je vais aller voir les potes, là. Allez voir les potes! Comment ça va, les potes? Alors, attendez. Les petits marcassins. Leur filer de la bouffe, des graines. Nickel, plus 6. Allez. Salut, les potes! Comment ça va, les potes top? Alors, Poilu, t'es revenu me voir, mon frère. Alors, tous les jours... je broie du noir sous terre. Mais quand je pense que tu vas venir me voir, je suis si content. On est potes, mec. Ah ben, moi aussi, hein, je suis content. Allez, viens, on joue. Formation nuage de terre. Qu'importe le vainqueur. Aïe! Tu crois que tu vas nous échapper? Oh là, ce chef. Ah non! Bon. Enfin, limite, bon, voilà. On va pas se faire chier avec ce jeu. On va aller dans la maison. On va voir ce qui se passe. Hop. Donc, le plafond est déjà pété. Alors, regardez. La mémé, là, on peut lui parler. Alors, la lune brille beaucoup ce soir. La lune, on la déteste. Quand ses rayons nous touchent, il révèle notre vraie forme. Alors, c'est vraiment difficile de mener une vie normale. Et en plus, tout ça nous creuse l'appétit. Ok. Toujours rien ici. Allez, viens, Mimi, viens ta bête. Alors, j'ai faim. Ok. Et comment je peux faire? Attends, examiner. Non, non, on fourre pas ton museau là-dedans. D'accord. Ok. Là-dedans, il n'y a rien. La lune brille beaucoup, etc., etc. Je sais pas si on peut... si on peut les réveiller ou je ne sais quoi. Ça n'a pas l'air. En fait, on dirait qu'il y a quelque chose dans sa... dans sa malle, en fait. Examiner. Attendez. Alors, la lune brille à travers le toit. Elle est vraiment brillante ici. Voilà, le pouvoir des yokai est grandement affaibli. Etc. Etc. Mais bon, je sais pas comment on peut faire pour les ramener dans la lumière. D'accord. Qu'est-ce que tu voulais faire, sale cabot? Tu voulais me traîner quelque part? Est-ce qu'on... alors lui, on peut pas le faire. C'est elle que je vais pouvoir ramener, on dirait. Voilà, elle vient dans la lumière là. Oh, regardez. Non. Tu as vu. Tu m'as vu. Hein. Qu'est-ce que c'était que cette ombre? Oula, en tout cas, c'était pas humain. Maintenant que tu m'as vu, je vais d'abord te couper le gorge, te dépecer et te manger. Ah, cela, oui. Allez, viens. Allez, venez vous la mettre, allez, grand-père. Oh, bordel, c'est quoi, ça? C'est des nouveaux ennemis. Ça ressemble à rien. On dirait des espèces de... ouais, c'est des piafs. Des piafs en kimono. Avec des katanas. Tout est normal, ne vous inquiétez pas. Alors. Hop. Voilà, viens te mettre. Waouh. Ah, d'accord, lui, il m'a déjà touché. Ah, ils sont pas si compliqués que ça. Voilà. Bon, pas si compliqué que ça. J'ai été touché quand même, mais... ah non, j'ai pas été touché, je dis n'importe quoi. J'ai senti des vibrations, j'avais cru que j'avais été touché.
Et donc la fameuse boîte, je vous avais dit que il semblait y avoir quelque chose dedans. Piou, j'ai eu tellement peur enfermé dans le noir. Comme ça fait du bien d'être libre. Merci à toi, gentil chien. Laisse-moi te caresser. Comme c'est mignon. Je m'appelle Shun, l'héritière de l'auberge des moineaux. Un piaf en kimono, ça te déchire. Héritier du clan des moineaux, Shun. Dis donc, la fille du patron de l'auberge de Sasabe, c'est elle? Alors, je ferai bien de rentrer, sinon papa va s'inquiéter. Mais si je rentre seul, je vais peut-être me faire attaquer. Peux-tu me raccompagner à l'auberge de Sasabe, gentil chien? Oula, dis donc, c'est un loup, pas un Saint-Bernard. Bon, maintenant qu'on est là, autant la ramener. Astico. What? Allez, gentil. Oh, j'ai appuyé un peu trop vite. Allez, donc là, en fait, elle nous suit. Alors, si par exemple, je m'arrête, elle s'arrête. Elle peut peut-être aller aussi vite que nous, lorsqu'on est en mode foufou. Voilà. Et vole, petit poulet. Petit moineau. Waouh. Alors, d'accord. Alors, ce qui est marrant, c'est que visiblement, les parchemins, ils ont l'air de m'attaquer encore. Je sais pas comment ça se fait. Normalement, je suis censé avoir un item qui me protège de leur attaque. Un peu bizarre. À moins qu'il faille utiliser cet item. J'ai peut-être pas saisi la manière de l'utiliser. Bref. Allez, on va ramener le piaf à la maison. Oulala! Alors Kabo, tu t'es perdu, t'as rien à faire à l'auberge de Sasabe. Le clan de la tribu des moineaux est en alerte, donc personne ne passera ses portes avant qu'on ne la retrouve. Hein? Mademoiselle Shun? Bonjour, bien voilà. Mademoiselle Shun, vous n'êtes pas blessée? Patron, patron, mademoiselle, votre fille est revenue. Attention. Papa Jumba. Il me fait penser un peu à, comment il s'appelle, Jabba le Hutt, là. Espèce de grosse limace pourrie. Papa-san! I'm back! Excuse-moi, je ne sortirai plus jamais toute seule. Très, vraiment pas très bavard, hein, ce Papa Jumba. Non, le patron est soulagé. Papa, c'est ce chien blanc qui m'a sauvé. Il faut le remercier, tu vas le récompenser, non? Il arrête pas de rôter ou je ne sais quoi. Waouh, quelle récompense, il ouvre les portes. Le patron a accepté de te laisser rentrer dans l'auberge. Allez, rentre vite, loup blanc. Puis du coup, bah, le papy, à mon avis, va pouvoir revenir chercher son bois. Enfin, son bambou, pardon. Hop, truc à ramasser ici. Waouh. Et une perle errante, d'accord. Donc effectivement, je pense que c'est la nuit, en fait, qu'on voit parfois les faisceaux blancs comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Pousse de bambou. Encore un puits. Toute bonne auberge digne de ce nom doit avoir de l'eau propre. C'est vrai. Alors, il n'y a rien qui sort. On va regarder de l'autre côté. Tiens, des trucs à péter, là. Voilà. Ok, bon, visiblement, il n'y a rien de spécial. On va essayer de rentrer là-dedans. Voir ce qui s'y passe. Oh, bordel! Ah, c'est super grand, hein, quand même. Ah, d'accord, il y a un passage de ce côté, donc c'est pour aller chercher le clébard, je suppose. Ah, des animaux à nourrir. Non. Des graines encore. Il va falloir que j'en rachète un paquet, des graines. Je vois pas à quoi ça ressemble. Des hérissons, peut-être? Pas. Ouais, je sais pas. C'est des espèces de hérissons. Alors, il y a des casiers. Il y a des personnages un peu partout. Ah, on est encore dans le rouge. C'est déjà terrible de ne pas avoir de clients si en plus on ferme. Effectivement, mais là, vous allez avoir des clients normalement, pardon. Parce qu'il y a papy qui va revenir. Alors ça, c'est qui? C'est la patronne. Bienvenue à l'auberge des moineaux. Je suis la maîtresse de maison. À votre service. Alors c'est à l'accueil commis du bain. Bonjour et bienvenue.
Tu es ici à l'auberge de Sasabe, l'auberge des moineaux. C'est toi qui as sauvé la jeune Shun, n'est-ce pas? On a eu un moment de panique quand elle a disparu, tu sais. Dieu merci, elle est de retour. C'est vrai. Alors, hop, on va grimper là-haut. C'est qui ça? Maîtresse, tu n'es pas un client d'auberge, toi. J'imagine que c'est l'influence de l'auberge qui te donne un air si innocent. D'accord. Ah d'accord, oh bordel, c'est un ascenseur. Je croyais que c'était un fond un peu inutile. Non. Bordel, il y a des coffres de partout. Ah bah tiens, une petite scène. Alors nous t'attendions. Tu nous as rendu un grand service, nous voulons te remercier. Papa a vraiment été impressionné par tes exploits. N'est-ce pas, papa? Oups, comme d'habitude. Alors, le patron t'a pris sous son aile. Comme récompense, papa t'offre le contenu de ses coffres. Profite de notre hospitalité pour te reposer dans nos chambres. Sans oublier notre fameux onsen, la source chaude derrière l'auberge. Effectivement, parce qu'à mon avis, c'est là-bas qu'il doit être le clébard. Pour ça que c'est écrit en rouge. Hop, un vase. Tout ça, ce sera à refourguer. Ah bah tiens, ça, j'en avais pas encore. Ça, je crois, ça qui est point de fer. Hop, encore du trésor. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de trésors, de toute façon. Wow. Ça qui est de la volonté. Augmente temporairement la défense. Wow. Toujours autant de mal avec les coffres. Voilà. Hop. Un ours en bois. Ça, je m'en souviens. J'en avais déjà quelques-uns. Bon, ça va. En gros, il est en train de remplir mon inventaire avec tout un tas de saloperies que parfois j'ai déjà. Mais bon, c'est toujours sympa. Ça m'évitera d'en acheter. Allez, go. On se casse d'ici. Je vais continuer à explorer l'étage d'en dessous. Voilà, je sais pas si... Ah, oh, d'accord. Je croyais donner un coup dedans. Hop, il y a de la thune. Examiner, c'est un jeu, ça. Ah, jeu de go. Ça, ça me rappelle des souvenirs. Alors, il y a un jeu de go, mais il n'a pas l'air d'être trop utilisé. Manger fruits de Sasabe. D'accord. Petite taille nourrissante, blablabla. Ah d'accord, il y a des trucs à ramasser ici, en fait, sur les... Et voilà, vous mangez omelette de Sasabe. Ah, c'est marrant. Alors, me voilà dans un endroit bien bizarre. Sont-ce les dieux qui m'ont conduit ici pour que je me repose? Pourtant, un marchand ne se repose jamais. Alors, si tu es envoyé pour faire des courses, n'hésite pas. D'accord, on va faire des courses. Ça tombe, il a des choses intéressantes à vendre. Ça n'a pas l'air. Hop, histoire d'en avoir 10. Moi, j'aime bien avoir des chiffres ronds comme ça. Je suis un maniaque du chiffre rond. Un maniaque d'un tas de choses, hein, quand même. Bon, visiblement, il vend rien. Non. Non, non, non. Tu vends que de la merde. C'est quoi, ça? Je croyais qu'il y avait quelque chose, mais il n'y a rien. Alors là, il faut pas lui mettre un œil, peut-être. Ah, c'est ça. Mais je crois que j'en avais déjà croisé, hein, en plus, une boule comme ça. Là. Ah, bordel, j'ai oublié de le faire. Bon, ça, c'est les... C'est les gens qui sont en train de speeder. Et là, il y a des chambres. Alors, encore nourrir des trucs, là. Eh, ne mange pas tout ce que tu trouves. Non, c'est pas ça. Nourrir, voilà. Bon, c'est à peu près les mêmes animaux qu'en bas, là. Je sais pas, c'est des rats, en fait, hein. Ça a l'air d'être des rats, mais c'est vraiment tout petit, ça ressemble à rien. Ok. Hop. Ça, c'est pour avoir un peu de pastèque. Alors, ah, c'est toi le fameux loup blanc qui a sauvé Mademoiselle Shun. C'est vrai. Bon, c'est tout ce qu'il avait à me raconter. Allez, on va essayer d'aller de l'autre côté de cet étage. Il y a peut-être encore des choses à visiter. Probablement deux salles. Tiens, ce truc-là, il m'inspire pas confiance. Ah, d'accord. Eh, une guitare. Voilà un beau shamisen. D'accord, ça s'appelle comme ça. J'aimerais bien voir comment il sonne. D'accord, on va en jouer.
Ça marche pas. Peu importe. On va aller voir dans la salle à côté. Hop. Alors, vous avez mangé mijoté de sasabé. Alors attends, il y a plein. Voilà, il y a plein de bouffe ici. Dango de sasabé. Poisson de sasabé. Riz. Et le dernier, viande. Ok. Oups, pardon. C'est pas toi que je voulais toucher. Allez, c'est pareil, il y a une guitare allongée là. Tiens, un couteau, je me demande à qui c'est. Crabe de sasabé. D'accord, j'avais oublié ça. Non, on va parler à lui. Oh ben, on sert les loups maintenant ici. C'est vrai que c'est une auberge un peu spéciale, mais on y mange bien. Je suis peut-être en plein délire. Une auberge tenue par des moineaux. C'est vrai que c'est un peu space. On serait presque tenté de dire what is the fuck. Hop, on descend. Alors de ce côté, il n'y avait rien. Il y a juste le passage là. Donc c'est vers le clébard. Par contre, on fera ça dans la prochaine vidéo. Hein, là, donc je vais sauvegarder. Hein, parce que là, je crois que ça fait un bon 40 minutes que je suis en train de tourner. Donc comme d'habitude, je vous dis konobideo omite itadaki arigato gozaimasu. Ware ware wa tsugi no jikan omitasu.